Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre. Et Dieu ne peut pas trouver plaisir à habiter dans un lieu où il y a des désordres. Et le monde était devenu désordonné. À telle enseigne même, imaginez-vous que l'odeur du péché commençait à arriver vers l'Éternel. Avez-vous déjà senti l'odeur du péché? L'odeur du péché. Quelle odeur nauséabonde. Et Dieu, ne pouvant plus supporter cela, s'est décidé de mettre fin au monde. Alléluia. Et après un temps, il a rebâti un nouveau monde. Et la Bible nous donne dans 2 Pierre 3. Si le monde d'autrefois a été détruit par l'eau, sachez-le que la terre actuelle et le ciel actuel sont réservés également pour le feu. Et le monde dans lequel nous habitons actuellement se détruira aussi. Et c'est pour très bientôt. Et ce monde se détruira parce que l'Éternel sera prêt à bâtir la nouvelle Jérusalem qui descendra d'auprès du Père et qui se posera. Et bien aimé, là, ce ne sont pas les désordonnés qui iront accès. Voilà pourquoi ordonnons nos vies dès à présent. Parce que dans la nouvelle Jérusalem, aucun désordonné n'y entrera. Nous avons vu également Gédéon arriver à détruire l'autel des Baals que ses parents avaient eu à construire. Il a eu à renverser, à détruire cela. Mais bref, si vous essayez de voir l'histoire du monde, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des destructions. Mais il y a eu de certaines choses qui ont été détruites pour être détruites pour toujours. Mais il y a eu des choses qui ont été détruites avec le but d'être rebâties autrement. Voilà pourquoi vous allez voir qu'un jour, la maison de Job a été aussi détruite. Sa vie a été détruite.